Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pour vous, mais ici il est 5h du matin. Je pense que ça doit un petit peu se voir à ma tête, qui a dormi approximativement 3h grand max. Et pour cette nouvelle vidéo, eh bien, on va pas rester ici. Je vais vous emmener avec moi dans un endroit très spécial. Ça fait partie de mon top 3 des places que j'ai toujours voulu visiter étant plus petit. Donc il y avait Montréal, ça c'est fait. Il y a Tokyo. Et... San Francisco. Voilà, c'est l'une des trois villes que je rêvais absolument de visiter depuis tout petit. Et donc après 12 longues heures de vol, l'aéroport ce matin à Paris, c'était vraiment pas fou. Comme quoi, Paris-San Francisco, on dirait qu'il y a eu la chance qu'elle tournait quand je suis arrivé à San Francisco. Mais à Paris, je suis tombé déjà sur un douanier qui était un petit peu de mauvaise humeur parce qu'il a passé mes pellicules argentiques au rayon X, ce qui est généralement fortement déconseillé. Donc il y a des chances qu'elle soit morte. Je vais quand même les shooter. On va croiser les doigts. Dans tous les cas, je ferai des photos avec mon appareil Sony. J'espère que vous pardonnerez ma tête de cadavre actuelle. Donc en plus de la nuit où je n'ai pas beaucoup dormi à Paris, plus l'avion, voilà. Je suis arrivé et puis il fait super beau. Donc ça, c'est trop cool. Petit fait qui m'a fait sourire un petit peu, c'est le taxi qui est venu me chercher à l'aéroport. Et ben, le monsieur s'appelait Francisco. Aujourd'hui, je vais profiter un petit peu du reste de la journée que j'ai. Donc la journée est bien avancée. Là, il va être un peu plus de 15h. Je vais aller me prendre une bonne douche bien méritée. Et ensuite, faire mes premières activités, premiers endroits que je me suis prévu un petit peu. C'est parti. J'ai commencé cette première journée par une balade dans le quartier de mon hôtel, qui m'a très vite inspiré tant le jeu de lumière et de composition se multipliait sous mes yeux. Je me suis très rapidement retrouvé happé par le gigantisme de tous ces gratte-ciels qui m'entouraient et les architectures à la fois modernes et anciennes qui se mélangeaient. Ensuite, je me suis rendu au premier spot que j'avais programmé dans mon planning, Pier 39. On peut aussi croiser des lions de mer qui tapent leur meilleure sieste, rarement à mon dos, qui est en train de craquer sous le poids de mes différents objectifs et appareils. C'est une jetée qui a été aménagée en centre commercial, qui je trouve ont une vibe très années 90. Et voici mon premier échec ou réussite, selon les points de vue, parce qu'on voit pas ma face, fait à l'argentique. C'est en fin de journée que j'ai fini par me trouver un petit spot qui donnait une vue incroyable sur la prison d'Alcatraz. Je me suis posé et j'ai attendu le moment parfait pour faire ces quelques photos qui sont parmi mes préférées de ce voyage. Et rien de mieux pour finir cette première grosse journée qu'un sandwich philippin du restaurant Señor Zizig qui était vraiment meilleur que mon accent espagnol. Pour cette nouvelle journée, avant de me rendre à mon premier spot du programme, j'avais envie de faire quelques photos dans la rue de mon hôtel. Les photos argentiques que vous pourrez voir de ce voyage ont été faites avec les pellicules Portra 400 et Cinestyle 500D. Voici également une de mes photos préférées prises à l'argentique. Je pense que le pigeon donne clairement tout le sens à cette photo. Direction le métro arc-en-ciel pour un de mes quartiers favoris, le quartier gastro LGBTQIA+. Je n'ai évidemment pas résisté à prendre beaucoup trop de photos des tramways. Je pense que j'ai pris autant de photos de tramways que je n'ai de courbatures à la fin de la journée.
il était maintenant temps de reprendre la route pour ce qui allait être le reste du programme de ma journée, mon tout premier shooting avec une modèle de San Francisco du nom de Ella. Pour ce shooting photo, on a décidé tout simplement d'aller se perdre dans les hauteurs des rues de San Francisco. Après 4 heures de sommeil, parce que le décalage horaire a trouvé une faille dans mon organisme et a décidé d'y résider, j'ai pris le chemin d'un quartier qu'il me tardait vraiment d'explorer. Est-ce qu'on n'essayerait pas de rater une deuxième fois un autoportrait ? Et voici une captation d'un colibri que j'ai réussi à prendre en vidéo mais pas en photo pour mon plus grand malheur. Et ça, c'est littéralement moi en train de le chercher comme un Pokémon Shiny que je ne pourrais jamais attraper. Je pense que j'aurais pu rester une journée de plus tant il y avait des choses partout qui m'inspiraient en photo. Durant ce voyage, il y a un pattern que j'ai très vite acquis malgré moi. C'était de me perdre dans les rues, juste en prenant des photos. Ce qui m'a d'ailleurs presque porté préjudice sur la prochaine activité qui va suivre où j'ai failli ne pas pouvoir assister. Voici donc le ferry que j'ai failli rater à 2 minutes près. J'avais envie de pouvoir me rapprocher de la prison d'Alcatraz, à défaut de pouvoir la visiter par manque de temps. Ce qui me permettait d'avoir des prises de vue autres qu'un pied à terre. Les très fortes secousses du bateau étaient autant un challenge pour mon estomac de garder ce qu'il avait que d'avoir des photos nettes. Un de mes objectifs de ce voyage était de faire le parcours San Francisco que je faisais à ma salle de gym sur mon écran et du coup de le faire dans la vraie vie. Bienvenue dans l'un des endroits les plus somptueux de San Francisco qu'il m'était donné de découvrir.
J'ai tout de suite été subjugué par son imposante taille ainsi que le jardin qui l'entourait. Et par la suite, par le détail qui l'ornait. Le Palais des Beaux-Arts est en fait une œuvre qui aurait dû être temporaire car elle a été créée pour une exposition internationale en 1915. Mais elle a tellement plu qu'ils ont décidé de ne pas la détruire pour notre plus grand bonheur. Évidemment pas résister à l'envie de faire un autoportrait devant ce beau bâtiment. Suite de l'aventure aux Seven Sisters, les fameuses 7 maisons colorées de San Francisco. Et en parlant de sœurs justement, j'allais rejoindre deux jumelles, Tyrin et Shailene, pour ce deuxième shooting à San Francisco. I was ready for something more. Ce matin, ma machine à café a décidé de m'abandonner. J'ai donc décidé de sortir pour me trouver un café et finir mes pellicules en faisant quelques photos. Au détour d'une rue, je suis tombé nez à nez avec ce plan, une voiture presque encastrée dans un mur de briques, avec des fleurs au bout. Yeah. Ensuite, j'étais me perdre dans l'immense parc Golden Gate. Avant que le soleil ne se couche, il me fallait rejoindre un spot que j'avais prévu spécialement pour une session d'autoportrait. Après un peu plus d'une heure de transport aux limites de la ville, je suis enfin arrivé à bon port. Je suis donc allé à un des spots, il y en a plusieurs, pour le coucher du soleil. C'est un spot qui était pas facile d'accès quand t'as deux trépieds, un gros flash, un appareil, des objectifs et que t'es tout seul. J'avais donc l'iconique pont Golden Gate de San Francisco, mais pour que ça soit pas trop cliché comme photo, j'ai rajouté ma petite touche avec un flash et de la couleur. Pour ma dernière journée à San Francisco, je ne pouvais évidemment pas passer à côté du quartier chinois. Sur toutes les photos prises dans ce quartier, il y en a deux que je préfère, je vous laisse deviner lesquelles. Anecdote, les deux derniers jours à San Francisco ont été assez compliqués pour moi. Car je ne
me suis retrouvé malade comme un chien, sûrement dû à une otite, et certainement aux 100 km que j'ai parcouru avec la plupart de mon matos sur le dos. Donc pour votre plus grand désarroi, pas d'autoportrait raté aujourd'hui. Pour finir cet après-midi, je me suis arrêté dans la rue de Broadway, non loin du quartier chinois où il y avait un spot qui a attiré mon attention afin de capturer plusieurs photos. Ce qui m'a évidemment tout de suite tapé à l'œil ici, c'est le jeu des grandeurs des buildings avec au centre la grande Transamerica Tour Pyramide. Il était temps de se rassasier après cette grosse journée, donc petit passage chez le restaurant Charlie's, un restaurant vegan, type satirique de McDonald's. Les frites et les hamburgers étaient plutôt ok en vrai, contrairement au tarif que je trouvais un petit peu trop élevé pour ce que c'était. Pour cette dernière soirée à San Francisco, je voulais absolument aller découvrir un quartier dont l'ambiance change du tout au tout de nuit, le quartier de gastro. Et honnêtement, malgré les efforts que ça m'a demandé pour faire cette dernière sortie, je ne regrette absolument pas au vu du rendu des photos que ça m'a donné. Qui font partie aussi de mes préférés de ce voyage. Maintenant de mon ressenti et mes impressions après un peu plus d'une semaine à San Francisco. Ce que j'ai pu retenir, à part des courbatures, des montées de rue à couper le souffle, littéralement, c'est que malgré son aspect de grosse ville, le fait que les rues soient en fait très larges, comme un petit peu partout aux États-Unis je pense, et qu'il y ait aussi pas mal de végétation un peu partout dans la ville, qu'il y ait aussi comme moins de monde dans les rues, en fait pour vous expliquer, en gros San Francisco fait pas loin de la taille de Paris, mais à deux fois moins de population. Franchement, ça se ressent beaucoup. Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas un grand fan des bains de foule, bah, ça fait du bien de pouvoir se balader sans se sentir oppressé par trop de monde partout. Ensuite, les modèles photos que j'ai rencontrés là-bas étaient vraiment gentils, attentionnés et bienveillants. On m'a même offert pour la première fois de ma vie un bouquet et une bougie après un shooting. C'est aussi super bien desservi dans le centre-ville au niveau du métro, bus et tramway, ce qui m'a permis de me laisser me perdre dans des quartiers comme ça sans regarder vraiment où j'allais, juste pour découvrir. Ça, c'est un des trucs que je préfère faire quand je suis en voyage. C'est d'ailleurs aussi très propre, comme Montréal, je trouve. Niveau argentique, j'avais donc prévu, comme vous le savez, pas mal de pellicules pour faire aussi un reportage photo autre que numérique. J'ai eu malheureusement un problème avec mon appareil qui m'a lâché au milieu du séjour. Mais heureusement, j'ai tout de même pu faire développer les 3 pellicules que j'avais terminées. Je vous ai mis des courts extraits d'ailleurs de ces photos argentiques dans la vidéo, mais vous pouvez retrouver plus de ces photos-là sur mon Instagram. Alors, verdict de ce voyage, à la hauteur de mes attentes que j'avais depuis toutes ces années, un grand oui. Au niveau des coups de cœur, j'en ai eu pour le quartier japonais, qui est vraiment super, canon, le quartier chinois aussi, qui est vraiment cool, et évidemment le quartier gastro, vraiment super beau. S'il y a une chose que je peux peut-être dire, c'est le coût de la vie qui est très cher. Que ce soit restaurant sorti ou autre, cette ville en fait fait partie des villes les plus chères aux États-Unis, donc moi je m'y attendais, forcément. J'espère que cette balade avec moi vous aura plu, et si l'envie vous dit à l'avenir de voir plus de mes vidéos, vous pouvez toujours vous abonner, ou pas, en attendant de se retrouver pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.